Martin Fourcade, papa, le champion olympique, la naissance de son troisième enfant. Un heureux événement. Côté carrière, Martin Fourcade est au sommet. Champion olympique 5 fois. 13 fois champion du monde, et 7 fois premier du classement de la Coupe du Monde. Le biathlète a longtemps brillé dans son domaine à travers le monde. Mais voilà. Après un parcours exemplaire, Martin Fourcade a tiré sa révérence, comme il l'avait annoncé en mars 2020. Une décision difficile à prendre, mais qui ne l'empêche pas de regarder en arrière avec le sourire. « À aucun moment j'aurais pu imaginer ne serait-ce qu'un centième de ce que j'ai pu vivre. Ça a dépassé de très loin tous mes rêves les plus beaux », avait-il confié à l'équipe la même année. Il évolue désormais de l'autre côté de la barrière. En effet, à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il présidera la commission des athlètes. « Je suis super excité d'accueillir les Jeux à la maison. C'est une super opportunité, sur le plan sportif d'abord. Nous pouvons fournir de grands Jeux. Mais au-delà de ça, il s'agit aussi de la place du sport dans la société française. » Virgule a-t-il expliqué sur le site des Jeux. Désormais, l'athlète de haut niveau se consacre aussi à sa famille. Père de deux petites filles. Manon née en 2015, et Inès née en 2017, il a décidé d'agrandir avec sa compagne ce cercle familial. Mercredi 16 novembre 2022, Martin Fourcade a annoncé la naissance de son troisième enfant. Un petit garçon prénommé Hugo. Depuis hier, nous sommes 8 milliards sur notre belle planète. 8 milliards d'êtres humains si différents et si proches. Bienvenue petit garçon. Bienvenue Hugo. Welcome my little boy. Virgule a-t-il écrit en légende sur un post Instagram. Martin Fourcade y apparaît tendant son doigt à son bébé, qui lui tient volontiers avec sa petite main. Les internautes ont été nombreux à féliciter l'heureux papa, félicitations. Bienvenue Hugo. Bravo à toute la famille, mille pensées pleines de tendresse vous cinq, un nouveau petit champion. Peut-on notamment lire parmi les commentaires. Une nouvelle page qui s'ouvre.